Voici la vérité sur le décès de Blaise Compaoré. Depuis que la toile a été envahie par la nouvelle du décès de Blaise Compaoré en début de soirée le mardi 29 novembre 2022, cette rumeur revient sur la toile régulièrement et sème les doutes. Et beaucoup ne savent plus s'il est vivant ou décédé. Plusieurs médias avaient annoncé sa mort au début et d'autres parlent d'une infâme rumeur. Nous vous invitons à suivre cette vidéo pour les détails sur cette affaire. Mais avant, j'aimerais d'abord vous inviter à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Blaise Compaoré, âgé de 74 ans, a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans. Arrivé au pouvoir le 15 octobre 1987, à la suite d'un coup d'État contre le capitaine Thomas Sankara, il a été contraint à la démission le 21 octobre 2014. Il faisait face à un soulèvement populaire. À sa chute, il a trouvé refuge en Côte d'Ivoire auprès d'Alassane Ouattara. En 2022, la justice de son pays l'a condamné par contre-masse à la prison à perpétuité pour complice d'assassinat et atteinte à la sûreté de l'État. Et le 29 novembre 2022, peu après la diffusion de la nouvelle de la mort de Blaise Compaoré, Djamila Compaoré a apporté une démentie à l'information. « Mon père va bien par la grâce de Dieu et je lui souhaite longue vie et pleine santé », a déclaré la fille de l'ex-dirigeant burkinabé. Par ailleurs, le mouvement pour le retour de Blaise Compaoré a laissé entendre dans un communiqué que l'ancien compagnon de Thomas Sankara est bel et bien vivant, malgré sa santé qui se dégrade à cause de son avancée en âge. Jusqu'à ce jour en 2024, une rumeur circule sur les réseaux sociaux régulièrement tendant à annoncer le décès du président Blaise Compaoré. Cette rumeur est simplement fausse. Le président est vivant et se porte bien, a fait savoir le bureau national du mouvement dans une note. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois que l'ancien président burkinabé avait été annoncé mort. À cause de son implication dans l'assassinat du grand panafricain Thomas Sankara, il semblerait que beaucoup de personnes lui souhaitent le malheur. Que pensez-vous de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré? Laissez votre avis en commentaire. Si ça vous a plu, cliquez sur j'aime et partagez. Mais n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.